Bonsoir, bienvenue pour ce 15e apéro poésie. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et ce n'est pas une blague. Il est 20h30 à Téhéran, en Iran. La nuit est déjà tombée et je vous y entraîne. À la rencontre d'un jeune poète, Garous Abdolmalekian. Les poèmes que je vais vous lire sont traduits du persan par Farideh Rava, publiés dans un livre intitulé Nos poings sous la table. Je dois simplement ajouter que les poèmes de Garous sont des poèmes incisifs, parfois très brefs, tout à fait cinématographiques, à l'image de ce petit texte que j'adore. Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. Ou de cet autre poème, la clé oubliée sur la table du café, l'homme devant la maison, cherchant dans ses poches, l'avenir est resté dans le passé. Brique. Le mensonge est un mur que tu construis chaque matin, brique par brique. Mon distrait maçon, tu as oublié la clé. L'eau monte jusqu'à mon cou. Les briques montent jusqu'à mon cou. L'eau monte jusqu'à mes lèvres. Elle monte. Mais je ne meurs pas. Je deviens poisson. Et je termine avec un texte qui évoque d'une certaine manière la situation que nous connaissons. Pièce. Autour de ma maison, celui qui pense au mur est libre, et triste celui qui pense à la fenêtre. Celui qui cherche la liberté est assis entre quatre murs. Il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, il fait quelques pas, il s'assied, il se met debout, quelques pas. Même toi, tu es fatigué de ce poème maintenant. Et lui donc, il s'assied, il se met debout. Non, il tombe. Garous Abdolmalekian. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 16e apéro poésie. D'ici là, restez au chaud, prenez soin de vous et des autres.